Mesdames et messieurs les ambassadeurs et représentants des institutions internationales, monsieur le chef d'état-major général des armées, monsieur le chef d'état-major particulier, madame et messieurs les gouverneurs de région administrative, madame et messieurs les préfets, mesdames et messieurs les sous-préfets, messieurs et mesdames les élus, chers invités, l'événement qui nous réunit aujourd'hui dans cette glorieuse salle des congrès du Palais du Peuple s'inscrira désormais dans les annales de la décentralisation de notre pays. Il traduit l'inébranlable constance d'un homme dans son combat pour la marche du progrès au bénéfice de son peuple. De même, il marquera un tournant décisif. Une autre approche de la perception du développement intégré pour nos populations à la base. Vous comprendrez dès lors, mesdames et messieurs, l'immensité de ma joie, teintée d'émotion, et tout l'honneur qui est le mien, en remerciant du haut de cette tribune Son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, pour sa haute présence parmi nous et pour avoir permis l'organisation des états généraux de la décentralisation et du développement local. Une action qui s'inscrit, faut-il le préciser, dans son agenda de politique sociale et économique. La rencontre de ce matin a ceci de particulier qu'elle place pour la première fois groupé en un bloc monolithique sous les yeux de leur plus haute hiérarchie, l'ensemble des maires du pays, l'ensemble des préfets, l'ensemble des secrétaires généraux de communes, une forte représentation des sous-préfets et l'ensemble des gouverneurs du pays. S'il est vrai qu'au cours de ces nombreux périples à travers les quatre régions du pays, Monsieur le Président de la République les a rencontrés séparément, l'on ne pouvait rêver, meilleure aubaine, que ce rassemblement de la territoriale au grand complet devant le chef de l'État, le premier administrateur territorial. Chers élus, mesdames et messieurs les maires, je vous souhaite à toutes et à tous, au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, une chaleureuse et cordiale bienvenue à la présente rencontre qui est, il faut le dire ici, la vôtre. En acceptant d'organiser les états généraux de la décentralisation et du développement local, avec la participation de tous les acteurs concernés par la mise en œuvre du processus, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, entend démontrer une fois encore la détermination de son gouvernement à œuvrer pour la promotion de la démocratie participative et de la gouvernance locale. Il n'est pas superflu de rappeler que le développement de notre pays passe par le plein épanouissement du citoyen à la base au travers des dimensions politiques, économiques, sociales et culturelles qui sont les siennes. C'est le credo qui nous a amenés à faire de la politique nationale de la décentralisation le cadre idéal d'expression de la pleine citoyenneté, partant de la voie idéale d'aboutissement au développement durable des communautés à la base. Cette option, après plus d'une décennie d'hibernation de la démocratie de proximité,
rendant de facto illégaux et illégitimes les conseils locaux, a été conforté grâce à M. le Président de la République d'une part, par l'organisation des élections communales du 4 février 2018 sur l'ensemble du territoire national et d'autre part, par la dynamique démocratique imprimée à la crédibilité du processus. Aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, toutes les 342 collectivités locales, soit 38 communes urbaines et 304 communes rurales, disposent d'exécutifs locaux installés et fonctionnels. Ainsi, la tenue de ces élections et la mise en place des exécutifs municipaux constituent désormais une garantie de légitimation des politiques publiques locales de développement décentralisé. Excellences, Monsieur le Président de la République, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, depuis 1985, la politique de décentralisation s'est enracinée dans notre pays comme le modèle d'administration le plus apte et le plus efficace pour lutter contre la pauvreté. Le constat factuel le prouve à suffisance, parce que cette politique permet aux populations de choisir démocratiquement leurs élites dirigeantes et à partir du potentiel local, avoir la liberté d'opérer le choix du modèle de développement en définissant à souhait leurs besoins prioritaires grâce au diagnostic participatif communautaire. Le citoyen est au cœur de ce processus et son implication auprès de la responsabilisation de ses élus dans la gestion des affaires locales constitue un préalable de la bonne gouvernance locale dans un contexte de stabilité politique et de paix sociale à cultiver par la conjugaison des efforts de tous et de toutes. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, chers élus, un élu est l'expression ou l'émanation d'une volonté locale manifestée dans les urnes. Quant aux maires, plus spécifiquement, ils sont les relais qui incarnent et consolident la République sur le terrain. Ils ne sont plus partisans des causes politiques ou politiciennes. Dans l'exécution de leur mission de service public, les maires ont une obligation de traitement équitable et d'équité envers tous les citoyens sans esprit vif. Ils sont des agents publics au service des populations dans leur diversité d'opinion et de conviction. Les maires sont garants du renforcement de la paix et de la gestion locale, de l'unité nationale, de la sécurité des personnes et de leurs biens, de la tranquillité publique et de la construction d'un climat serein de coexistence pacifique entre les différentes composantes sociales du territoire communal. Ils sont aussi les principaux acteurs de la conduite du développement participatif endogène de la commune. En s'appuyant sur l'effectivité du transfert des compétences et des moyens que sous-tendent les politiques publiques, les maires faciliteront l'atteinte des objectifs du développement durable par l'accès des populations aux services essentiels de base dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique communautaire, des pistes rurales, de l'assainissement, etc. Comme nous le voyons, la fonction de maire exige des capacités et des valeurs de justice sociale, favorisant l'émergence d'une économie locale, source de revenus et créatrice d'emplois et de richesses. Cela suppose naturellement qu'ils ont obligation de se positionner en prestateurs impartiaux de services publics. Le maire se distingue par la culture de la bonne gouvernance locale en respectant les principes de participation, d'équité, de transparence et surtout de redevabilité vis-à-vis des populations qui ont grand besoin d'informations sur la gestion des affaires locales. Les maires doivent également s'approprier du fait intangible que les collectivités locales, en tant que démembrement de l'État, sont soumises dans leur administration et autonomie de gestion au principe de l'exercice de la tutelle,
du contrôle de l'égalité et subséquemment bénéficier de l'appui conseil et de l'accompagnement des représentants de l'État. Il faut donc se mettre en évidence que la fonction de maire, loin d'être une sinecure lucrative faite de mondanité, est plutôt contraignante et assujettit le maire à des obligations quotidiennes. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, notre pays s'est résolument et irréversiblement inscrit dans la décentralisation. Il l'a démontré depuis plus de 30 ans en donnant la priorité au développement local pour lutter contre la précarité en milieu rural. Cette option, fondamentale au demeurant, a permis d'obtenir des acquis importants que sont l'élaboration et l'adoption d'un code des collectivités locales qui détermine l'organisation et le fonctionnement des collectivités. Ce code a fait l'objet en 2018 d'une révision en profondeur pour l'adapter aux exigences de l'évolution de notre société. L'élaboration d'une lettre de politique nationale de décentralisation et de développement local qui anticipe opportunément sur le processus d'habilitation des communes à se gérer elles-mêmes. L'élaboration d'outils de gouvernance pour consolider le développement local. La mise en place d'une association fêtière des communes, l'Association nationale des communes de Guinée, organe de facilitation, de promotion et de dialogue intercollectivité. Et enfin, cinquièmement, la mise en œuvre de projets porteurs de prospérité dans le milieu rural, notamment le programme d'appui aux communautés villageoises PACV à travers ces trois phases d'initiation, d'extension et de consolidation. Le programme de développement local de Guinée, le PDLG, dans son cycle évolutif, le programme national d'appui aux communes de convergence, le PNAC, récemment mis en place sous l'impulsion de M. le Président de la République et grâce à un fort soutien des partenaires techniques et financiers, notamment l'UNICEF, la Banque mondiale, l'Union européenne et l'Agence française de développement que nous tenons solennellement à saluer pour leur engagement à nos côtés. Il y a enfin la création d'une agence nationale d'assainissement et de la salubrité publique. Nonobstant ces résultats, d'autres grands défis ponctuent le chemin de l'atteinte des objectifs du développement durable. La ferme détermination de Son Excellence Monsieur le Président de la République de relever ces défis et d'apporter la meilleure réponse aux difficultés et contraintes qui constituent de sérieux écueils au financement de la décentralisation et développement local s'est traduite merveilleusement par la création de l'Agence nationale de financement des collectivités locales en Afrique. Elle est un outil de performance de la gouvernance financière à la disposition des collectivités locales. Son abondement par les 15% des revenus miniers va réduire les disparités de développement qui existent entre nos communes. C'est en cela que la décentralisation, dotée de moyens financiers mais également humains suffisants, retrouvera tout son fondement et sa légitimité pour s'inscrire dans le sens de la consolidation de la paix et du développement national. Il s'agit, pour Monsieur le Président de la République et son gouvernement, d'inscrire, parallèlement aux grands travaux d'ensemble, d'inscrire, dis-je, dans le portefeuille de chaque commune, de chaque localité de Guinée, des actions de développement palpables, quantifiables, rejoignant en cela le plan national de développement économique et social dans la totalité de ses quatre axes directionnels. L'honnêteté morale me contraint à apporter ici un témoignage devant vous, Monsieur le Président. Une fois cette initiative instruite par votre autorité à Monsieur le Premier ministre du gouvernement, il en a fait sa préoccupation majeure, multipliant les rencontres,
donne quotidiennement des instructions à toutes les parties prenantes de ces états généraux pour qu'aboutisse l'idéal qui vous anime dans la quête du bonheur pour le peuple de Guinée. Qu'il soit ici vivement remercié. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de terminer mon propos par remercier une fois encore Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui, en nous offrant l'opportunité de l'organisation des États généraux de la décentralisation et du développement local, permet solennellement aujourd'hui une entrée officielle des nouveaux élus dans la plénitude de l'exercice de leurs fonctions au service des populations. Vive la décentralisation et le développement local, vive la coopération internationale, vive le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, je vous remercie. Mesdames, Messieurs les préfets, Mesdames, Messieurs les sous-préfets, Mesdames, Messieurs les élus, chefs d'invités, l'organisation des États généraux de la décentralisation et du développement local est une opportunité dans la vie de notre nation pour mieux cerner de près et la réalité du terrain, pour pouvoir mieux lutter contre la pauvreté et changer les conditions de vie de façon radicale, le plaisir et valeur de la population. Nous devons tirer les leçons de l'évolution du monde, éviter l'égal développement entre les villes et les campagnes, entre la capitale et l'intérieur. Nous voyons ce que ça fait comme conséquence que nous voyons que ce n'est pas dans beaucoup de pays développés. Le fait que certains sont considérés comme les favoris du développement et d'autres comme les exclus. Nous devons éviter que notre pays se retrouve dans cette situation. C'est pourquoi il est extrêmement important que le jeune Guinéen, n'importe où il est, qu'il soit pour l'Ancré au fin fond de Yomou ou de Zélekouré, dans ce sentier guinéen ayant les mêmes avantages que celui qui est à l'Ancré. C'est ça. C'est ça qui est important aujourd'hui, c'est pourquoi nous avons convoqué cette réunion de l'ensemble des préfets, des sous-préfets, des élus locaux. Car qui connaît mieux la situation des populations dans ces régions, sinon eux? On ne peut pas être à Conakry président ou ministre ou premier ministre et savoir exactement comment vivent les populations localement. Mais aussi, je remarque aussi très souvent que nos représentants dans les régions ou les préfectures ne sont pas très souvent auprès des populations. J'ai fait une tournée dans beaucoup de préfectures et de sous-préfectures. Je constatais qu'il y avait des sous-préfectures qui n'ont jamais vu un préfet. Alors, si le président peut aller dans une préfecture, comment ça se fait que le préfet ne peut pas y aller? Voilà donc une des tares de notre administration. Le fait que les dirigeants sont coupés de la base. Quand ils sont coupés de la base, ils peuvent être les représentants. J'espère que les nouveaux élus éviteront cette tare. Si on est maire ou conseiller, on en a été élu. Mais on a été élu pour refléter les préoccupations des populations et leur apporter une solution. Mais ce n'est pas souvent le cas. Donc, ces états généraux doivent être un moment de vérité où nous devons nous parler franchement, voir quels sont nos tares, quels sont nos manquements face aux demandes des populations. Cela est fondamental, sinon les états généraux ne serviront à rien si ce n'est pas un débat franc qui consiste à voir de quelles maladies nous souffrons et comment guérir ces maladies. Alors je vous souhaite la bienvenue à cette importante rencontre inédite initiée par le gouvernement. À cette heureuse occasion, j'adresse mes saluts et félicitations à tous les nouveaux élus et les autres à se mettre au travail avec ardeur afin que nous puissions ensemble relever les nombreux défis auxquels notre pays est confronté. Ainsi, vous mériterez la confiance et l'espoir placé en vous par vos mandats légitimes et sont les populations qui n'aspirent au bien-être. Au nom du peuple de Guinée,
vous invite instamment à vous engager résolument dans le siège de l'enforcement des multinationales et de la réalisation des objectifs du plan national de développement économique PNDS à faire avec la lutte contre la pauvreté. Mesdames, Messieurs, votre élection à la tête des exécutifs locaux confirme à tous les niveaux que le choix du peuple de Guinée repose substantiellement sur le fondement du principe d'accession et d'exercice démocratique du pouvoir par l'expression du suffrage universel. Car c'est le suffrage universel confère à un élu de parler au nom du peuple. Ce ne sont pas les ONG ou les gens qui se proclament porte-parole du peuple alors que personne ne les a élus et qui ne sont qu'eux-mêmes, qui ne présentent qu'eux-mêmes. Évidemment, aujourd'hui, l'évolution du monde en train de donner raison. Ceux qui soutenaient ces ONG qui ne représentaient rien sont en train d'être confrontés à ces mêmes problèmes chez eux. Donc, ils comprennent mieux maintenant qu'ils ne peuvent parler au nom du peuple que seuls les gens qui sont élus par le peuple. Il s'agit là du suivant universel. Il s'agit là de valeurs qui font la vertu de la République. Elles paraissent essentielles pour la considération des acquis démocratiques et la bonne marche ascensionnelle de notre pays. Et comme vous le savez, sans compromission, j'ai consacré tout mon temps à défendre ces vertus cardinales pour que tous les fils et filles de Guinée puissent exercer pleinement leurs droits sans équivoque et se sentir égaux dans la jouissance des normes consacrées par notre Constitution. En guise de rappel historique, après l'ouverture de notre pays au libéralisme politique et économique à partir de 1984, l'avènement de la décentralisation fut consacré comme système de gouvernance et moyen de développement économique et social. Depuis cette date, des progrès énormes ont été accomplis dans le domaine de la décentralisation, faisant de notre pays un État unitaire décentralisé. Mais il reste encore beaucoup à faire, car la décentralisation n'a pas encore atteint encore son but, pour plusieurs raisons. D'abord, elle n'a pas été poussée à bout. Deuxièmement, la mauvaise gouvernance. Il faut reconnaître que la mauvaise gouvernance, ce n'est pas seulement au niveau central, mais aussi de décentralisation. Combien de responsables locaux élus recevant ce que les miniers ou d'autres payent, détournent, vont de vivre de dernier cas, du vrai cas. Donc, où ils se tiennent de carrière à payer des milliards et la première chose c'est de voltier en pensant qu'il est un pays alors que les responsables de la Russie s'aillent détournés. Donc, nous veillerons strictement à ce que l'argent de l'État, qui soit au niveau central, décentralisé, préfet, sous-préfecture, soit dépensé selon les règles des finances publiques et non pas au profit de quelques individus qui se proclament les seuls. J'ai souhaité donc vous réunir pour partager avec vous ma nouvelle vision de notre politique de décentralisation. Les incompréhensions sociopolitiques durant ces dernières années, ponctuées par une période circonscrite de 2 ans par la maladie Habilis Ebola, ont empêché d'apporter des réponses adéquates aux demandes sans cesse croissantes des citoyens à la base. Toutefois, des progrès notoires ont été accomplis dans des domaines sensibles, amenant ainsi la fourniture des services sociaux de qualité à la base des populations. Ces présentes demandes demeurent aujourd'hui au cœur des préoccupations de mon gouvernement, car il reste encore beaucoup à faire. Tenant à réaliser allègrement mes promesses, non sans difficulté, exécutant les graphes majeurs des programmes de société proposés au peuple à la dimension de nos possibilités, j'ai entrepris tout au long de ce second mandat de réforme qui permet d'asseoir une politique plus à l'écoute de nos populations. J'ai aussi engagé un processus de dialogue politique permanent, constructif, entre les composantes politiques et sociales, pour éviter à notre pays de basculer dans des tentatives engendrant des risques de tensions communautaires, mais aussi d'assurer notre souveraineté, car les problèmes guinéens ne peuvent être gérés par les Guinéens. Nous n'accepterons jamais que des personnes extérieures à la Guinée viennent nous imposer une solution à aucun temps. Il est donc évident que la décentralisation permet ce cycle libérateur de chances fructueux au quotidien en situant les mêmes localités autour des questions d'intérêt local. Elle permet également l'affirmation des identités et des valeurs propres tout en favorisant dans la cohésion l'émergence d'une solidarité naturelle forte, levier de promotion du développement participatif. Dès lors,
renforcement des capacités managériales, leadership de chaque collectif local doit s'affirmer pour éviter des projets d'une gouvernance décentralisée relevant d'un caractère communautaire de la lutte contre la pauvreté. Mesdames, Messieurs les maires, je voudrais que chacun de vous s'inscrit dans cette dynamique pour mettre fin à la récurrence des violences politiques et sociales et engendrer des crises que notre pays a malheureusement connues ces dernières années. Une situation déplorable qui a exposé le pays à l'hésitation de certains investisseurs étrangers au motif que notre pays souffre d'un déficit de stabilité. Mesdames, Messieurs les maires, cela fait 8 ans déjà que nous avons entrepris ensemble dans la priorité des réformes structurelles au niveau des secteurs névralgiques, notamment de l'économie, des mines, de l'énergie, de l'hydraulique, du social et de l'administration. Ces réformes ont rencontré des imprévus, mais ils ont été utilisés avec courage et institution nationale que seul le Guinée est capable d'assumer. Souvenez-vous des 2 ans de lutte commune contre le virus Ebola qui nous a éprouvés, mais où les Guinéens ont été valeureux. Car contrairement à d'autres pays, où c'est les personnes extérieures qui ont soigné, nous, c'est les Guinéens. Bien sûr, nous avons payé cher, beaucoup de médecins sont morts. Aujourd'hui, nous avons la fierté d'avoir des Guinéens capables de soigner des virus. Nous avons la fierté aujourd'hui d'avoir 525 Guinéens actuellement à nos pays frères comme Kinshasa en train de lutter contre la fièvre Ebola. Ce ne sont pas des gens venus des États-Unis, de France ou d'Angleterre, mais c'est des gens venus de Guinée qui apportent leur contribution à nos frères. C'est en vertu du travail déjà accompli qui a produit des résultats plausibles. Quoi qu'il reste encore un vaste chantier à bâtir, nous ne faisons pas d'illusion, il reste encore beaucoup à faire. Puis je m'engage à ouvrir une brèche d'espoir comptant sur la gouvernance locale entièrement consacrée à la promotion, à l'approfondissement de la décentralisation et à la conciliation du développement local pour voir le développement équitable à la base. Mais l'inégalité se révèle encore tant par la faute du gouvernement des populations. La faute du gouvernement, comme il y a des femmes préfets. Regardez la composition de la salle, comme il y a des femmes préfets, comme il y a des femmes gouverneurs. Monsieur le Premier ministre. Mais la même chose s'adresse à nos populations. Il y a combien de maires, il y a combien de femmes maires. Il y en a combien? Donc, nous parlons du genre, mais nous sommes encore très 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 loin, monsieur le Premier ministre, en tirant du gouvernement. Donc, la conciliation de la décentralisation est une décision absolue qui s'impose au contexte de notre pays. La poursuite du procédure conduira à terme, après la mise en place de communes, conformément aux dispositions de la Constitution, à celle des régions comme second niveau plus étendu de collectivité décentralisée. De ce fait, la régionalisation complétera l'assise d'organisation territoriale décentralisée. Ce top niveau s'occupera du développement régional intégré à travers le sort des dynamiques locales, créant des conditions de cohérence, d'un maillage du développement des territoires, assurant du coût la réalisation des projets d'envergure infra-régionale par le lien d'un image entre la planification locale et celle nationale. Il est temps de relever que dans le processus de réalisation, l'épreuve telle de la ville de Conakry présente actuellement des signes de faiblesse du courant de son statut particulier qui à l'origine s'adaptait aux circonstances de l'époque. À présent, il est nécessaire de l'adapter aux réalités à l'allure métropolitaine prise par la ville et sa périphérie, englobant les préfectures alentours. Il y a besoin de réadapter le statut de Conakry en adéquation avec les préoccupations de la vision du Grand Conakry 2040, à l'alignant sur la conformation des grandes capitales africaines, afin que Conakry devienne une ville moderne à l'image de ses pairs de la sous-région. Mesdames, Messieurs les maires, chers élus, à la phase actuelle de la modernisation et décentralisation exige une autre politique de collaboration entre l'État et les communes. Les collectivités décentralisées doivent être capables, à partir de leurs propres fonds et des appuis financiers directs de l'État, de satisfaire des besoins socio-économiques des populations à la base. C'est une variable qui exige la fourniture de services sociaux de qualité et d'équitable aux populations dans le souci constant d'amélioration de leur mode de vie à la mesure des nombreuses attentes qu'elles ne cessent de réclamer à justice.
Cependant, l'État est conscient des insuffisances des moyens financiers endogènes des cultures locales et de l'arrêté des ressources exogènes, se faisant ressentir au fur et à mesure de l'évolution du partenariat international. C'est en raison de cette réalité que tout a été mis en œuvre avec l'appui de nos partenaires étrangers pour la formulation d'un mécanisme durable et pérenne de financement qui aura pour vocation de doter les cultures locales de moyens importants, favorisant la réduction de la pauvreté dans notre pays. À cet effet, l'État a créé le Fonds national de développement local en vue d'encadrer et d'améliorer le financement de la décentralisation. Ce fonds, d'une importance capitale pour le développement local, sera désormais l'unique porte d'entrée pour les investissements au niveau de collectivités décentralisées. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas plusieurs caisses. Et comme ce sera centralisé, les détournements locaux deviendront plus difficiles. Car si nous sommes en train d'améliorer la gestion de l'État pour que les ressources nationales rentrent, nous aurons la même chose. On ne va pas créer un fonds qui va servir quelques personnes et non pas la transformation de la population. C'est pourquoi ce fonds sera géré par l'Agence nationale de financement des collectivités locales, ANAFI. Une structure voulue, conçue et animée par le gouvernement pour résoudre la différence de développement qui existe entre les collectivités locales. Par un système de prélocation, elle établit l'équité et l'équilibre entre les collectivités locales par une judicieuse répartition de la richesse nationale. Le réserve fonctionnel et son abonnement se fait prioritairement à partir des ressources minières dont dispose naturellement le pays, mais aussi par l'apport constant des partenaires techniques et financiers qui souscrivent à accompagner le gouvernement. Cette nouvelle politique de financement de la décentralisation est une innovation et une avancée significative. Et c'est dans notre volonté commune de renforcer la capacité financière des collectivités à travers une planification participative locale à travers des outils fiables de gestion locale. Plus de 1 000 milliards seront ainsi mobilisés en 2019 et 2020 en faveur des communes, faisant l'accès aux services sociaux communautaires. Mais, mesdames, messieurs, la CES enseigne que l'argent n'aime pas le bruit. Mettons tout en œuvre pour éviter le soubresaut à des centres déstabilisateurs. Considérons les conditions de sérénité, de quiétude et de paix durable par la concentration des populations que nous avons élues pour satisfaire leurs besoins. Il va sans dire que l'ANAFIC est conçue pour faciliter l'accès des collectivités aux ressources financières adéquates destinées au financement des actions de développement, en assumant concrètement la mise en œuvre des compétences transférées par le code révisé des collectivités locales. Le dialogue entre élus et citoyens ne doit plus rester comme un rendez-vous légal et administratif automatique. Il doit devenir préventif et permanent administratif des exécutifs. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'aller discuter au moment des élections. On doit être de façon permanente. Une des réalités que nous avons aussi, que nous devons combattre, tant au niveau du gouvernement que des élus locaux. Aboutir à un changement positif tel qu'ambitionné exige une forte prise de conscience sur l'amplitude démesurée des conflits fonciers et miniers récurrents qui s'impose au niveau des différents territoires. Ces conflits qui conduisent des dégâts matériels importants subis de morts, détruisant les relations sécuritaires paisibles entre les communautés, occupent la grande partie des affaires devant les tribunaux. Il en a de même de la transmission de l'agression des réserves foncières de l'État sur les yeux coupables à voir complices particulièrement des élus locaux sur cette de la crise du logement. Sous la Première République, tout était clair. La terre appartenait à l'État et les gens avaient l'usufruit. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation totalement ubuesque. On ne sait plus à qui appartient la terre. Donc il est extrêmement nécessaire que nous ayons une nouvelle réforme foncière. Comment voulez-vous que les gens viennent investir? Quand il a fini de tout préparer, quelqu'un serait pour dire non, c'était la partie à mon grand-père, à mon arrière-grand-père, etc. Comment voulez-vous qu'on puisse investir? Comment voulez-vous que nous venions faire des veaux si aujourd'hui on ne sait pas à qui appartient la terre? Messieurs les préfets, aucun préfet n'a le pouvoir de donner un bail en plus forte raison un terrain. Mais que nous avons constaté, il y a des préfets qui ont vendu des terrains. Il y a des maires qui ont vendu des terrains de l'État. Alors que c'est contraire. Cela est très clair. Nous sommes en train de faire des enquêtes. Tout terrain vendu ou baillé de façon illégale sera repris par le gouvernement. Et nous n'amènerons en aucun cas les terrains vendus illégalement. Nous ne l'indemniserons pas.
Par contre, personne ne peut se prévoir de sa turpitude. Si le terrain est vendu également, mais inclinant dans la santé de l'État, parce que ça a été fait par un fonctionnaire du ministère de la ville, nous indemniserons, mais nous sanctionnerons les responsables. Donc, nous prévenons les préfets et les maires. Il n'est pas question que vous vendez des terres de l'État. Nous allons faire un régime foncier clair. Parce qu'aujourd'hui, les gens se battent pour être maire en pensant qu'ils vont vendre des terres de l'État, ils s'en réussissent. Non, je vous préviens, quiconque vendra un terrain sera poursuivi. Vous n'êtes pas là pour vendre les biens du pays. Un citoyen peut vendre un terrain qui lui appartient. Mais les terres d'une commune n'appartiennent pas au maire. D'une société n'appartient pas au président de CRD. Donc, nous allons veiller de façon stricte. Aucun préfet, aucun maire n'est autorisé à vendre ou à bailler un terrain de l'autre. Que ça soit très clair, celui qui le fera sera poursuivi sans aucun état d'âme, qui qu'il soit. Alors, si nous avons fait ces états généraux, c'est pour que les Guinéens, n'importe où ils sont dans ce territoire, ne se sentent pas oubliés. De quoi nous souffrons aujourd'hui, de l'exode rural, qui vide l'intérieur du pays de force vive et qui vient devenir des chômeurs de bandits à Conakry, parce que tout le monde ne peut pas trouver du travail à Conakry. Mais si nous développons l'intérieur, pourquoi voulez-vous qu'un jeune petit Yomou, s'il a accès à la télévision, il a accès à l'internet, grâce au fibre optique, s'il peut développer ses activités et s'il peut trouver du travail? Voilà donc le défi fondamental. C'est pourquoi nous voulons écouter tous les préfets, tous les préfets, les maires, pour connaître quels sont les problèmes qui se posent. Mais je vous préviens, il faut présenter les vrais problèmes. J'ai fait une tournée en 2019, commencé la tournée, j'irai dans la sous-préfecture, écouter les populations, moi-même. Donc, si vous dites des informations erronées, c'est un pis pour vous. Parce que quand j'irai, les populations n'ont peur de personne, ni de présenter de rien, ils diront ce qui se passe. Donc, quand j'irai, je connaîtrai la vérité. Alors, il vaut mieux venir présenter la réalité de votre sous-préfecture, de votre préfecture, et qu'on cherche des solutions ensemble. Mais la confiance ne suit pas le contrôle. C'est pourquoi j'ai dit au Premier ministre qu'il n'a qu'à se débrouiller avec son gouvernement. Moi, désormais, je serai sur le terrain pour écouter les populations dans les préfectures, les sous-préfectures, les districts. Car le peuple doit sentir que s'il a élu des gens, ces gens sont à son service. Il n'y a pas un président de monsieur le peuple, il n'y a pas un préfet. Et aussi, si le président va dans les sous-préfectures, les préfets seront obligés d'y aller plus souvent, ce qui n'est pas le cas. Les gouverneurs seront obligés d'aller plus souvent. Les ministres sont obligés d'aller plus souvent. Autre chose aussi, dès que quelqu'un a un poste, il pense qu'il est devenu maintenant un grand seigneur. Il regarde les gens tout haut. L'État, il regarde les gens, c'est le président, mais le président est certes, il est le président. Ici, il est le préfet, les sous-préfets, comme des petits rois télés. Ça aussi, c'est fini. Vous n'êtes pas les petits rois télés, vous êtes là, avec le fini du peuple fini. Vous devez être avec vous tous, non pas mépriser les gens en pensant qu'ils seraient non, non. Un homme politique, c'est comme un poisson. Tant qu'il est dans l'eau, il vit. Enlève-le de l'eau, il meurt. Quelle est l'eau de l'homme politique, c'est le peuple. Alors, monsieur le professeur, monsieur le maire de commune, sachez que nous avons un seul chef, un seul commandant, c'est le peuple. Merci. Aïwa for la guinea calé, guinea mantemé.